Salut tout le monde, c'est Kirito de Sword Art Online France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memory Defrag pour vous faire la petite multi-invocation gratuite. Alors, comme vous savez, depuis la sortie de l'anime Alice is a Chien, nous avons quelques petits portails gratuits à chaque sortie d'épisode pour le moment pendant 4 semaines. Donc on ne sait pas si après ces 4 semaines là, ils vont continuer à nous sortir ou non des portails gratuits. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais pour l'instant, donc pour les 4 premiers épisodes qui sortiront donc le samedi à 17h, on a donc une nouvelle multi-invocation gratuite pendant 4 semaines. Donc on en a déjà eu une, donc à celle-ci qui fait la deuxième semaine, donc on aura encore 2 portails gratuits à venir dans les 2 semaines qui suivent. Donc, bah, c'est le même portail qu'on avait lors des invocations anniversaires, hein, donc on peut toujours avoir la Asuna 6 étoiles, deuxième anniversaire, Kirito 2 étoiles anniversaire, Ujio et Alice deuxième anniversaire 6 étoiles, Asuna et Elo 6 étoiles, Shinon 6 étoiles, Yuki 6 étoiles et Lifa 6 étoiles. Donc je refais le récapitulatif de tous les 6 étoiles qu'on a eu dans ces genres de portails gratuits là. Donc on avait le Kirito, la Alice, la Asuna, Aelo, Shinon, Lifa. Et il nous en manquait 3. Donc il nous manquait la Asuna deuxième anniversaire, le Ujio et la Yuki. Donc en espérant qu'aujourd'hui on ait un peu plus de chance, parce que la première invo je vous l'avais pas faite, mais comme je vous avais dit, j'avais rien eu, j'avais eu genre 2-3 étoiles et que des 2 étoiles, donc c'était pas ultra ouf. Donc là j'espère que Argos sera pas avec nous et nous donnera au moins 5 étoiles, pourquoi pas mon petit leader vent que j'attends toujours. Donc voilà, donc après au niveau des autres bannières, bah celui-là on l'avait déjà faite, hein, on n'avait rien eu. Celle-là je ne la ferai pas parce que j'ai déjà pas mal de keto. Bah là j'attends toujours le nouveau portail de ranking. Et il me reste encore 2 paliers de d'Aincrad à faire. Donc j'ai encore un pi 80 MD qui... non il me reste un seul palier d'Aincrad, mais c'est un seul palier d'Aincrad à faire. Mais ça fait un petit 50-60 MD, voilà. Un truc dans le genre. Donc il y aura largement assez pour faire notre premier step de la prochaine bannière, hein, donc pour le prochain ranking. Donc voilà, donc c'est parti, on y va. Argo, est-ce que tu me donnes de l'argent aujourd'hui? Non, on y va, c'est parti. Alors un petit sourire, mais pas de... Ah si, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, que les images montrent quelque chose. Donc peut-être pas 6 étoiles, mais il y a un 4 étoiles minimum, parce qu'on a vu les images qui étaient un petit peu en arc-en-ciel. Donc il y aura un 4 étoiles minimum, peut-être 5 étoiles avec de la chance. Mais il y a quand même un petit 4 étoiles. Bon. Pour un truc gratuit, si on peut me faire du Crystal Hacking, ça sera encore bien, bien mieux aussi. Donc il est pas là. C'est un petit Crystal Hacking 50, ce serait pas mal. Comme ça me permettrait de pouvoir limit break des personnages en cas de difficulté sur un ranking. Qui est pas là non plus. Ici, voilà. Donc il fait pas nuit, c'est pas un 6 étoiles. Mais ça peut être un 4 ou 5 étoiles. C'est un 4 étoiles. Et c'est le UGO premier du nom. D'accord, UGO, le tout premier UGO. Bon, pourquoi pas, ça fait un UGO de plus. Bon, j'ai déjà fait le défi de l'Encrad UGO Lisbeth, mais... ça fait toujours un 4 étoiles de plus, hein, comme on dit. Non. Pas d'autre. Je pense qu'on n'aura rien d'autre de plus, mais bon. Non, pas de bruit. Et voilà, c'est tout. Bon, un petit UGO des familles. Hein, voilà. Du coup, j'ai le V1, le V2... J'aurais bien voulu avoir le Geo 6 étoiles, pourquoi pas, mais bon. Donc là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Crystal Hacking en plus. Ok, donc voilà. Bon, bah, je vous laisse là, et puis on se retrouvera donc du coup pour sûrement la semaine prochaine pour l'invocation du ranking, hein, donc sûrement la bannière ranking. Donc, ils sont probablement des personnages terre. Hein. Donc on verra bien ce que ça donne, peut-être d'autres personnages, sûrement dans le thème d'Halloween, donc sûrement une deuxième partie, donc peut-être Kirito qui sera de la partie, ou encore un doublon de fille, enfin on verra bien. Allez, je vous laisse, c'était Kirito, et je vous dis à la prochaine, salut salut!